Montrez à tout le monde à quel endroit vous avez la douleur. Okay, if you do feel this, it does come down there, okay? Et ça irradie dans le bras. Okay, have a seat. Asseyez-vous. All right, now I'm going to show you how to treat it, okay? Point, step three, point. Where is the point? Donc l'étape 3 maintenant, quels sont les points? We can either choose kidney plus liver or kidney plus heart. But what is the point? On peut choisir soit foie plus rein, soit cœur plus rein. Mais quel point on va prendre? For kidney, meridian, where is the neck? Sur le méridien rein, où est le cou? Neck is kidney 3 or 6, which is the anchor point. That's the neck. Le cou sur le méridien rein, ça va être rein 3 ou 4. When you move down, will be what? Move up along the kidney, right? From ankle, move up, right? Et si ça descend le long de l'épaule, en bas ça remonte. Donc on va aller plus proximalement sur le méridien rein. So all the way we cover this area probably along kidney 8, right? Donc pour arriver à couvrir jusqu'à cette zone-là, faut peut-être aller jusqu'à rein 8. But since she also have arm pain, then I also need to use mirror. Mais comme elle a aussi une douleur au niveau du bras, il faut qu'on se serve du principe miroir également. Et la douleur au niveau du bras, elle implique tout le bras. Then I need to add in point from kidney 8 all the way to kidney 10. Did you see that? That means all the way to the elbow. Donc right? Il faut que je rajoute des points depuis rein 8 jusqu'à rein 10 pour couvrir tout le bras. But how about upper arm? Ah, pardon, oui, tout l'avant-bras. Then we need an upper leg for upper arm. Et comment on va couvrir le bras? Est-ce qu'on a besoin de mettre des aiguilles dans la cuisse pour couvrir le bras? We don't need that because we can reverse the image, right? The lower leg is good enough to take care of forearm and upper arm. Did you see that? Et on n'a pas besoin de ça parce qu'on peut renverser l'image. Donc la jambe va pouvoir traiter à la fois le bras et l'avant-bras. So it's the liver for the neck area, liver four. La même chose pour le foie. Le cou sera sur foie 4. So we got the liver. We decided we have to do liver, right? It's step two. And liver on the liver, where is the neck? Liver four. Donc à notre étape 2, vous avez vu, on a choisi foie. Et donc sur ce méridien foie, où est le cou? C'est foie 4. And then we move up to liver 5, will be this area, right? Et après, si on monte jusqu'à foie 5, ça va couvrir cette zone-là. But again, for the whole arm, then we need to do what? Liver 4, all the way up to liver 8, right? Mais encore une fois, si on veut traiter tout le bras, à ce moment-là, il faut partir de foie 4 jusqu'à foie 8. Okay. Now, which side? Et maintenant, quel côté on va piquer? Look at the matrix. Can you tell me which side? En regardant le tableau, est-ce que vous pouvez décider quel côté? Look at the liver and kidney. We do use liver and kidney balance cooperative in UP by system 3. You see that? Donc on utilise rein et foie sont impliqués parfois dans le système 3, n'est-ce pas? When we use a liver balance, gallbladder, kidney balance, UB system 3, then we have to use what? Opposite side. Parce qu'en fait, on se sert de foie pour équilibrer VB et on se sert de rein pour équilibrer vessie. Donc, on utilise le système 3 et pour cela, il faut être côté opposé. And you can see she is taking off the left side and socks and pull up the pants now, right? So, ready for what? For right side pain, you know? Et donc, vous voyez que la patiente relève son pantalon et enlève sa chaussure pour qu'on la traite la douleur à droite et qu'on pique à gauche. So you don't mind if you're in the camera, on the website, or whatever? Ça vous dérange pas d'être filmé pour le site internet? All right, then you can put your foot on the top of your shoe. And now I'm going to do liver and kidney. So we start with what? Liver 4. Donc on commence par foie 4. And we do kidney 6. Rein 6. And kidney 3. Et rein 3. And usually I like to do what? Spleen 6.
Coin? Et en général, j'aime bien aussi faire rat 6. Spring 6. Why spring 6? Pourquoi rat 6? Because spring 6 is a crossing point of what? Liver, spleen, and kidney. So it was called the spring 6 after the meridian 3 of it, right? That's why I like spring 6. C'est bien rat 6 parce qu'en fait c'est le point de croisement des trois méridiens in du pied, donc de rein, rat et foie. Tender? Or more here? More here. More here? By the spleen 6, we find the liver point and with the tenderness. And you can see horizontally and the needle, the liver point, you see that? And through the, attached to the shin bone, attached to the tibia bone, you see that? Donc il y avait un point sensible au même niveau que rat 6, mais sur le méridien 3, et vous pouvez voir qu'il a inséré l'aiguille de façon horizontale, en fait, le long du tibia. At this time, I directed the needle from the posterior to the anterior. Okay. Et là, il vient juste de mettre l'aiguille directement du postérieur vers l'antérieur. Merci. And tender. Sensible. Not much. Okay, tender. More here. Okay. Needle. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 needles for liver. Okay, now we're going to do the kidney. Okay. Donc on a mis 6 aiguilles pour le foie. And, on regarde pour rein maintenant. Yeah, kidney 7. Un 7. And, kidney 8. Un 8. Acheux point around there. Okay. Acheux autour de rein 8. And, little bit, let's do a little bit more here. Kidney 9.5. What kidney 9.5 means? 9 and the 10 halfway, okay? We find an acid point there, okay? Qu'est-ce que ça veut dire, rein 9.5? Ça veut dire entre rein 9 et rein 10. And kidney, kidney 10, okay? Et rein 10. And done. Okay. Et ça y est, c'est fait. Now move your neck and arm. Et maintenant, bougez votre cou et votre bras. Where is the pain now? Où est la douleur maintenant? Like yeah, only in the finger and the palm. Seulement au niveau des doigts et de la paume. Okay, very good. Then we treat the finger and the palm. Okay. Donc on va traiter la paume et les doigts maintenant. All right. Now we can do the finger and palm. By using kidney 2. On peut faire les doigts et la main en utilisant rein 2. And that's the palm, okay? Ce sera la paume. And also liver 3, that's the palm. Fois 3 pour la paume. All right, move again. Allez-y, rebougez. Much better? Beaucoup mieux. Good. All right. So I tell you, do we need to put any needle here? Est-ce qu'on a besoin de mettre une seule aiguille à cet endroit-là? Zero. No needle here at all. Non, aucune aiguille à cet endroit-là. As long as you do balance method, it always works. Du moment où vous pratiquez la méthode d'équilibre, ça marche à chaque fois.